Salut, c'est Maillard, nous allons faire un nouvel épisode consacré aux archives. Apparemment, le dernier a provoqué quelques intérêts, dont le mien. J'ai trouvé ça vraiment super, les échanges qu'on a eus autour, et ça a permis d'optimiser l'approche de certains défis. Donc nous allons continuer cette lancée et parler cette fois-ci du trappeur, avec l'optimisation de son défi qui consiste à bloquer les patounes des survivants dans les pièges. On a eu quelques tests, nous avons testé quoi ? Nous avons testé une figure plutôt traditionnelle, qui consiste à mettre des compétences de ralentissement, telles que thanatophobie, la compétence de l'infirmière, empêchant la progression des survivants quand un qui est blessé, ou alors boucher sadique, qui les met en état d'estropiement. Et nous avons avec ceci des accessoires tels que les pièges qui sont obscurcis dans les sols, ou encore qui s'ouvrent tout seuls. Nous avons testé ça. Et nous avons testé une autre combinaison plutôt intéressante et surprenante. Nous avons ici 4 compétences. Nous avons Gardons le meilleur pour la fin, qui consiste à obtenir un jeton avec un bonus de 5% de vitesse à chaque fois que l'on touche un survivant qui n'est pas l'obsession. Nous avons le deuxième, qui est une compétence de Légion, qui s'appelle Cran Dément, qui consiste à empêcher le wiggle, donc quand il y a un survivant qui se débat comme un forcené sur mon épaule alors qu'il est en état critique, et bien à chaque fois que je touche quelqu'un alors que je l'ai sur mon épaule, il est bloqué de 4 secondes. Nous avons deux autres compétences, Poignée de Fer qui le ralentit dans son wiggle, et Agitation qui permet d'accélérer mon mouvement quand j'ai un survivant sur mon épaule. Donc ça crée la surprise. L'idée, c'est d'apporter les survivants petit à petit dans la cave et de poser plein de pièges autour. Mais la cerise sur le tas de cerises est la suivante. Un accessoire que peu utilisent. Mâchoire molletonnée. Mâchoire molletonnée est un piège qui consiste à ne pas blesser les survivants, qui les bloque pendant quelques secondes. En revanche, ça me permet à moi de donner un coup. Donc je piège autour de la cave, j'essaie de donner un coup aux gens qui ne sont pas les obsessions, à la personne qui n'est pas l'obsession. Je gagne de la vitesse, et on essaie de voir où est-ce que ça nous mène. Dans tous les cas, ça crée la surprise. Ah, on tente le diable avec une combinaison spécifique afin de parfaire l'archive de blocage des patounes. L'objectif, c'est de quoi ? L'objectif, c'est de piéger un endroit où on va pouvoir amener les survivants dans la cave, notamment bah ici le basement, il est pas mal, donc on va essayer ça. On va en poser un maximum par là, sachant que ce ne sont pas des pièges qui blessent, ce sont des pièges qui coincent la patoune, précisément. Et donc, on va essayer de bloquer un maximum de survivants par ici. On a 3 autres perks, Cran Dément, qui fait que si on blesse quelqu'un pendant qu'on a quelqu'un d'autre sur l'épaule, eh bien, la personne en question est ralentie de 4 secondes. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh là là! 1, 2, 3, faut que je garde ça. Il faut que j'aille le plus loin possible pour récupérer les autres moteurs. Oh là là, les mecs, j'ai pas trop aimé, j'aime pas trop ça d'ailleurs, Mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont... Les gars, comment vous avez fait ça? Mais comment vous avez fait ça, les gars? Ok. Ils ont trouvé mon antre. Ils savent pas encore qu'ils peuvent pas se blesser. Mais non, mais les mecs... Je t'ai vu! Les mecs. Mais c'est brutal et chic là ce qu'ils font. Eh oui mon gars. Alors. Va à droite. Prends un piège. Non, oh là là, le loop, le connaisseur du loop. Bien.
Bah oui, tu veux faire quoi là? Oh, ce mec m'énerve. Ce mec m'énerve, mais... Bellard. Alors, on va pouvoir commencer à s'amuser. Très bien. Oh, nom de Dieu! La misère sur Terre! Mais oh! Les gars, vous êtes tellement chauds! Mais tellement chaud. Vous le voulez? Venez le chercher, les gars. On va le mettre juste après, juste avant. Aïe! J'avais pas prévu ça. Vous le voulez? Venez le chercher! Ah yes! Juste avant. Alors. Bah oui, au bout d'un moment... Attention! Oh, mais mec... Mais non... Les mecs... Au secours... Aidez-moi... Le mec, il est en claquette en train de faire... Boop, 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 boop. voilà, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je... Voilà. C'est un... Il y a... Si vous le voulez, venez le chercher! J'ai déjà dit ça. Hein. Non! Non! Je suis méchant. Méchant Ace. Méchant Ace. Oh. Manga. Oh. Allez. Que il m'a peut-être mis une fessée, mais c'est pas une raison. Ok. Elle était du genre. Eh oui, mon gars. Eh oui, mon gars. Enlève-toi. Eh oui, mon gars. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait. Yes. Yes. Oh, je vous aurais. En train de ramper jusque là, si? Ouais. Oh, non, t'as dit, t'es où, Ace?
Ouais. Mon gars. Oh. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Plus. Tu veux minder en fait, hein? C'est ça, hein? Tu veux quand même minder ici? Ah! Non, c'est pas toi. C'est pas toi que je veux. Je suis sûr et certain que Ace, il va pouvoir me minder, même en étant en train de ramper, quoi. Le dieu Ace. Mon gars. Mais même ça, il va réussir. Mais trop fort. Ou alors il a trouvé la trappe. Hein. C'est ça. Il a trouvé la trappe. Et il le sait. Il le sait, il m'a mindé, non Dieu, s'il est en train de ramper jusqu'à là-bas. Il m'a tellement mindé, il est vraiment trop fort, Ace. Non de Dieu. Je sais que t'es là, Ace, tu me stresses. Il a trouvé la trappe, il va s'en sortir. Ace, mais quel beau gosse. Mais quel dieu parmi les hommes! C'est son pull de Noël, nom de Dieu! Son pull! Tu es où? Ace! Ace! Où est-ce que tu es? Ace! Ne meurs pas! Ace! Ne meurs pas! Ne meurs pas! Après, si tu meurs, c'est overcool. Ah. J'ai peut-être kiffé, même. Mais... Il est où? Où est-ce que t'es mort?